quand on a 17 ans. Vous direz, comme Rimbaud à l'époque, mes élèves de terminale technologique hôtellerie. Mais on peut ne pas être sérieux dans son travail scolaire, mais savoir reconnaître sa propre valeur. Ce qu'ils ont d'énormes difficultés à faire. Cela m'a interpellée et est devenu ma quête durant cette année. Quel lien existe-t-il entre estime de soi et réussite scolaire? Et si je vous racontais une histoire? Une histoire avec deux personnages, estime de soi et réussite scolaire, qui ont des caractéristiques bien différentes. Estime de soi peut être physique, sociale ou scolaire. Réussite scolaire peut être en lien avec les résultats aux examens et notamment au baccalauréat. Selon le milieu de vie, ces deux personnages ne vont pas avoir la même relation. Dans le milieu général ou technologique, estime de soi va être plutôt réservée, alors que réussite scolaire va être forte, notamment pour les résultats au bac. Dans le milieu professionnel, c'est le contraire. Estime de soi va être plutôt affirmée, alors que réussite scolaire va être un petit peu plus réservée. N'y a-t-il pas là une contradiction? Mais pourquoi estime de soi n'est-elle pas aussi forte lorsque réussite scolaire est importante? Ce qui est intrigant en plus, c'est que ce n'est pas le caractère scolaire d'estime de soi qui influence le plus réussite scolaire. Ça serait plutôt le caractère physique ou social. Voilà donc une bien belle énigme à résoudre. Quel est le caractère d'estime de soi qui influence le plus réussite scolaire? Et comment peut-on entraîner estime de soi à être plus forte? Trois hypothèses peuvent être à vérifier pour essayer de résoudre l'énigme. Estime de soi scolaire influence peu réussite scolaire. Estime de soi physique ou sociale influence plus réussite scolaire. L'entraînement spécifique d'estime de soi permet de la renforcer. Après 5 mois de travail, évalué par un test, voici le moment de vérité. Le caractère scolaire d'estime de soi semble plutôt influencer réussite scolaire. Le caractère physique ou social, au contraire, l'influencerait moins. Quant à l'entraînement spécifique d'estime de soi, il ne semble pas l'avoir renforcé beaucoup. Là encore, que de contradictions et une énigme finalement bien compliquée à résoudre. Mais il n'y a pas lieu de se décourager, parce que estime de soi est dynamique, mais très discrète, donc difficile à cerner. On peut aussi relativiser cette problématique par le temps, 5 mois c'est assez court. On peut aussi la relativiser par la qualité de l'entraînement d'estime de soi ou par l'intervention d'un autre personnage, comme motivation, qui pourrait aider à sa résolution. Moralité de l'histoire. Même si estime de soi ne semble pas avoir beaucoup progressé et qu'on ne sait pas exactement quel caractère influence réussite scolaire, ces deux personnages... Merci à vous.